Bon matin! Alors aujourd'hui, on est samedi le 27 juin. Puis ce matin, là, j'ai regardé une petite vidéo d'une youtubeuse qui allait au Village des Valeurs. Puis elle avait trouvé vraiment des beaux petits morceaux de vêtements à bon prix. Fait que j'ai jamais été là-bas. J'aimerais vraiment ça y aller justement pour voir là, qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas. Fait que c'est ça. Fait que je voulais faire un petit vlog aujourd'hui. Essayer d'aller dans un magasin, mais finalement il a fermé. Fait que là on s'en retourne dans un autre magasin. Fait que c'est ça, là j'attends mon petit chum. Il est arrivé, il est venu me chercher parce qu'il mouille. Fait que à tantôt! Bon, alors on vient d'arriver à la maison. Combien de morceaux? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc 5 petits morceaux. Donc pour commencer, j'ai trouvé un petit chandail gris comme ça, bien normal. Il est un peu oversize, mais pas trop en même temps. C'est un medium. Puis il était 1,99$. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé un autre petit basic. Oh, excusez. Un petit chandail noir, ben simple. Le tissu est vraiment de qualité. C'est vraiment fou là, comment il est comme doux. Pour vrai, je capotais. C'est un médium aussi, puis lui, il était 3,49$. Donc, ça coûte vraiment pas cher, puis ça vaut vraiment la peine. T'sais, un petit chandail comme ça, bien normal, ça coûterait comme vraiment plus cher que ça, neuf. Puis il est comme neuf, en fait, là. Il est vraiment comme neuf. J'en ai trouvé un petit rose comme ça, il est trop mignon. Fait que je l'aime bien. Il est bien ben simple, un petit basic. En super belle qualité. Vraiment rien à dire. C'est un médium aussi. Il était 4,49 celui-là. Donc avec un shirt noir rentré un peu dans mes shirts. Avec un jeans taille haute aussi. C'est super beau. Ensuite, on a un petit pull, je dirais. C'est un manche long. Il est quand même assez épais, c'est sûr que c'est pour les soirées plus fraîches, quand on fait un petit feu, tu sais, là, à l'automne, au printemps, peu importe, en hiver. Je l'aime vraiment. Pour vrai, il est unique, c'est magnifique. Pour vrai, je rien à dire. Et en plus, 2,99$. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, c'est un médium aussi. Je voudrais, j'ai pas vraiment regardé les grandeurs, j'y allais plus avec le chandail, tu sais, s'il me plaisait ou pas. Le prochain, c'est plus un chandail de sport. Donc, le voici. Il est bien normal. Il est comme neuf. C'est n'importe quoi, pour vrai. Il est comme neuf de la marque Iba. Je connais pas vraiment. Ça a l'air d'être vraiment un chandail de qualité. Il était 7,49$. Donc, c'était mon morceau le plus cher parmi mes 5 morceaux. Puis ça, je vais le mettre pour faire du hiking là, en montagne. Fait que voilà. Voilà mes petites trouvailles là, pour aujourd'hui. Dans le fond, au début, c'est sûr que j'étais comme un peu découragée parce que, veux pas, il faut vraiment chercher pour trouver comme des bons morceaux. Mais tu sais, on est resté là peut-être une heure à peu près. Puis en une heure, j'ai trouvé tout ça qui me convenait parfaitement. Fait que ça vaut vraiment la peine. T'sais, j'ai 5 morceaux, ça m'a coûté 23$. C'est vraiment ridicule comment que... C'est vraiment des vêtements de qualité. Je pense que j'en ai un, mon chandail gris. Il y a comme une petite tache jaune à peine dans le dos, dans le bas du dos. Mais elle apparaît vraiment pas, là, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que je suis bien contente de mes petites trouvailles. C'est un peu pas beau. On va essayer d'aller se baigner parce que c'est ça, ça me tenterait d'aller me baigner. Allez, bébé! Les pitous, ils sont là. Non, Milo, oui, t'es content? T'es contente? Ouais, fait qu'on va peut-être aller se baigner un petit peu, là, hein, mon amour? Ouais. Ouais. Ok, c'est ça. Bon, alors, on est rendu le lendemain matin. Hier, j'ai oublié de fermer mon vlog. En fait, je suis allée au camping, là, avec ma mère puis ma petite soeur.
Fait que c'est ça, fait que j'ai oublié de fermer mon vlog, donc je vais fermer mon vlog à l'instant. Aujourd'hui, on est le lendemain, on est dimanche. Fait que c'est ça, fait que moi je vous dis au revoir, puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye!